Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de douleur ou de crise de douleur avec une autre méthode que l'EFT, dont je me suis souvenue lors d'une crise récemment de douleur au ventre. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Mais avant ça, si vous n'avez pas encore téléchargé le manuel EFT, vous pouvez le trouver sur Facebook ci-dessous et sur YouTube ci-dessous dans la description. Vous abonner à ma chaîne si vous voulez connaître plus de vidéos au sujet de l'EFT ou de techniques de psychologie énergétique. Donc l'autre jour, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une crise de vomissement et je ne sais pas, une semaine ou 15 jours après, j'avais peur et je sentais de nouveau les mêmes symptômes. Et comme j'étais dans mon lit, j'avais pas envie de faire des tapotements. Je pense peut-être même que j'en ai fait, mais j'avais surtout envie de faire quelque chose de doux. Et j'avais pas trop de résultats cette fois-ci avec la logosynthèse. Et donc j'ai décidé d'utiliser la méthode Je commande, qui s'écrit en un mot, de Sophie Merle. J'ai, grâce à cette méthode, j'ai pu arrêter. J'avais des douleurs qui d'habitude culminent en vomissement. Et là, ça s'est arrêté et je me suis endormie. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet. Donc, je commande. Mais ici, donc, si vous avez une douleur, vous pouvez focaliser votre attention sur cette douleur. Et puis, l'idée, c'est de dire j'ai cette douleur parce que. Ça, vous pouvez dire à haute voix. Et puis, en portant votre attention sur le chakra du cœur, ça, c'est moi qui dis, portez l'attention sur le chakra du cœur. Vous fermez les yeux et vous répétez une dizaine de fois parce que, ou plus. J'ai cette douleur parce que. Et puis, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Vous n'attendez pas la réponse parce que c'est comme si vous envoyiez des petites antennes dans l'univers qui connaît les réponses, même si vous ne les, votre ego ne les connaît pas, l'univers, le divin les connaît. Et puis, vous pouvez vous dire, j'ai cette douleur parce que je me suis énervée tout à l'heure. Donc, j'ai cette douleur parce que je me suis énervée tout à l'heure parce que. Et puis de nouveau, parce que, parce que, parce que, parce que. Pendant une dizaine de fois. Donc, je laisse le temps, comme ça vous pouvez faire le parce que en même temps. Et vous allez voir que ça vous met dans un état de conscience modifié, ça va vous détendre. Et puis, j'ai peur d'avoir des vomissements parce que, ou bien vous pouvez dire, j'ai peur que cette douleur ne s'arrête jamais parce que. J'ai peur que ça empire parce que. J'ai peur de ne jamais guérir de cette douleur parce que. Je demande à l'univers de me donner des signes sur les causes de cette douleur parce que. J'ai encore de la colère sur X parce que. J'ai encore de la douleur, j'ai encore de la colère contre mon corps parce que. J'ai vraiment peur de ne pas y arriver parce que. Ma mère ou mon père n'a jamais guéri de ses douleurs parce que. Et puis vous pouvez encore trouver, s'il y a peut-être des phrases qui vous viennent sur n'importe qui vous traverse l'esprit, vous ne devez pas aller chercher, mais s'il y a quelque chose qui vous vient, c'est pour ça que ça me vient au fur et à mesure que je fais ça avec vous, eh bien, donc vous les dites, et puis vous dites une dizaine de fois parce que intérieurement, et puis vous dites la phrase de guérison,
qui est la suivante, et vous pouvez la répéter après moi. Je commande au plus haut degré de perfection la guérison immédiate, complète et permanente dans la grâce et l'aisance de toutes les raisons, de toutes les origines, de toutes les causes. De toutes les difficultés, problèmes et schémas que je viens de mentionner dans la paix, l'amour et la lumière. Et puis maintenant, vous fermez les yeux et vous répétez, enfin, comme quand vous dites parce que, mais là maintenant, vous répétez. Moi, je fais paix, amour et lumière. Vous verrez que Sophie dit de mettre lumière. Vous pouvez, si vous préférez, un symbole plutôt que de dire un mot. Moi, j'aime bien de répéter paix, amour et lumière, mais bien aussi une dizaine de fois. Alors, vous pouvez répéter le processus. Et par exemple, vous pouvez le faire sur n'importe quoi, mais avec le même processus. Et puis, vous pouvez mettre des phrases positives. Je me sens en excellente santé parce que je peux maintenant bouger mon bras avec aisance parce que je peux maintenant m'endormir en toute quiétude parce que et toute une série de phrases positives et puis à la fin vous dites je commande au plus haut degré de perfection l'intégration immédiate, complète et permanente de toutes les données que je viens de mentionner à tous les niveaux de mon être et de mon existence. Dans la paix, l'amour et la lumière. Et puis maintenant, encore une fois, vous répétez en fermant les yeux, paix, amour et lumière. Merci de votre attention. Donc, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et commentez pour voir si ça a fait quelque chose pour vous dans les commentaires ci-dessous. Et je vous dis à bientôt et aussi un pouce, hein.